Bon, on m'a dit que vous voulez un haul. Voici un haul. Coucou tout le monde, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Aujourd'hui, comme promis, je viens vous faire le haul. Mes derniers achats, ça c'est tout ce que j'ai acheté pendant les deux derniers mois, parce que pendant le mois de mars, je n'ai rien acheté. Je n'avais pas décidé de me mettre en no-buy, mais au début du mois, je me suis dit, oh là là, j'ai déjà assez de make-up. Je vais essayer de ralentir un petit peu sur les dépenses. Et puis, boum, tout s'est enchaîné. Et il se fait que pendant le mois de mars, je n'ai absolument rien acheté comme make-up. Et je suis assez fière de moi parce que ça m'arrive rarement. Donc, je vais commencer à blablater. On a pas mal de choses à passer en revue. Je ne sais pas si je fais ça par catégorie, parce que j'ai plusieurs palettes, plusieurs concealers, plusieurs rouges à lèvres, ou alors par marque. On va faire ça par genre, hein, parce que j'ai beaucoup de choses sur la table, et donc je vais me débarrasser de ce qui prend le plus de place. On va commencer par les palettes. Alors je vais commencer par ce que je porte en ce moment sur les yeux. Je me suis fait un petit make-up look rose. Je regardais tout à l'heure la vidéo de Safi, Saf Make-up. Coucou si tu passes par là. Et elle a fait un joli make-up dans les tons rosés, du coup ça m'a inspirée. J'avais envie de, voilà, de rose et tout. Bref, j'ai utilisé pour réaliser ce make-up la palette de Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe. C'est sa deuxième collaboration, ouais, pratiquement. Enfin bref, c'est la palette volume 2 hein, de Jaclyn. Je suppose que vous l'avez déjà vu un petit peu partout. C'est une palette de 35 fards. Je crois qu'elle coûtait environ 35 $. Je sais pas, je vais vous mettre exactement les prix et tout en barre d'infos parce que j'ai plus ça en souvenir. Voilà, quand j'ai vu toutes ces couleurs-là, les dorés, jaunes-là, le rose, violet, prune, orangé, tout ça, j'ai trouvé la palette super complète. Ici, on a des fards neutres, là, on a des fards un petit peu plus flashy, et je trouve vraiment que la palette est bien pensée. Donc, rapide, je vais vous faire quelques swatchs. Je vais swatcher aussi un fard irisé. Je vais vous mettre ça ici. Tac. Oups. Tac. 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 Voilà à quoi ça ressemble. Comme je vous ai dit, c'est ce que je porte sur les yeux. Je l'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui, donc je ne peux pas encore me prononcer, mais bien entendu, vous aurez une vidéo complète sur cette palette-là. Je vais vous faire plusieurs looks. Et comme je vous avais dit aussi, j'ai une petite surprise pour vous, puisque j'en avais pris deux de ces palettes-là. Ici, c'est la vôtre, ok, bien emballée. Et ça, c'est ma boîte. Voilà, on avait bien acheté deux, hein? Ok, donc dans la vidéo, je vous ferai la revue sur la palette avec les looks, les swatchs, etc. Il y aura aussi un petit giveaway comme promis. Alors la seconde palette est tout aussi flashy et tout aussi colorée que la précédente. C'est la palette Norvina, dans la collection Norvina, et ça, c'est la volume 3. Donc c'est en fin d'année dernière que Norvina a sorti ces trois palettes-là. Il y en avait une dans les tons bleus, une autre avec plein de violets. J'avais tellement envie de craquer dessus. Alors puisque ce sont des palettes qui coûtent assez cher, puisque ce sont des pigments purs, pressés, ce ne sont pas de simples fards à paupières, cette palette-là coûte quand même 60 $. Alors quand je l'ai achetée, il me semble que je l'ai payé 45 $. C'était pendant la Black Friday, mais comme vous voyez, les couleurs sont absolument irrésistible. Je trouve ça merveilleux. Quand j'ai vu les jaunes, verts, roses, violets, orangés, tout ça, je me suis dit, il me la faut. Autant j'ai pu résister pour la volume 1 et la volume 2. Celle-ci, vraiment, j'ai craqué. Je ne l'ai pas encore utilisée. J'ai juste swatché vite fait quelques fards. D'ailleurs, on va faire ça ensemble. Je vais en prendre quelques-uns au hasard, comme ça. Où est-ce qu'on met ça? Est-ce que vous voyez? Ici, ici, ici. Voilà, vite fait. Alors évidemment, je ne peux pas tous les swatcher. Il y a 25 fards à paupières dans ça, 25 pigments pressés. Quand j'ai acheté ça sur le site d'Anastasia Beverly Hills, j'ai acheté en même temps des pinceaux. Parce que quand on commande sur le site d'Anastasia, dès qu'on a un truc dans le panier, les pinceaux passe à 10 $ au lieu de 15, 20, 25, peu importe. Je crois qu'il y a quand même des restrictions. Je crois que les pinceaux les plus chers, les gros pinceaux pour le teint et tout, ils doivent quand même garder leur prix normal. Mais quand les pinceaux font moins de 30 $, automatiquement, ils passent à 10. Du coup, j'ai pris celui-ci, c'est le A16, le Pro Brush.
C'est un pinceau pour appliquer les fards à paupières. Comme vous voyez, il est assez large. Et je me suis dit que ce serait le truc idéal pour appliquer des pigments pressés comme ça pour bien attraper la couleur et paquer comme ça sur la paupière mobile. J'ai pris également ce pinceau-là, c'est le A23, le Pro Brush. Celui-ci aussi, il est passé à 10$ une fois dans mon panier. Et ça, c'est le pinceau que je vois toutes les filles utiliser pour poser l'highlighter. Perso, ce que j'aime utiliser, ce que j'utilise la plupart du temps dans mes tutos, c'est celui-ci de Morphe. Vous voyez la différence? Celui de Morphe est un petit peu plus pointu quand même. Celui d'Anastasia est carrément évasé. Et le Morphe est beaucoup plus mou. Il résiste moins. L'Anastasia est légèrement plus dense. Donc je pense que celui-ci va certainement donner une application beaucoup plus intense, beaucoup plus bam! Super flashy. Rien qu'au toucher comme ça, je comprends pourquoi il est le favori des Instagrammeuses qui aiment bien avoir le highlight bien qui pète là comme ça. Je vous en avais parlé vite fait. Hein. Ça, c'est vraiment pas une nouveauté. Mais pendant la Black Friday, il y avait de grosses promotions sur le site d'Huda Beauty. Et notamment cette palette-là, la Desert Dusk, elle m'a coûté 26$ seulement. Je ne sais plus si c'était moins 60%. À l'époque, j'étais pas très sur Huda. J'avais pas une bonne expérience avec le fond de teint. Puis bon, son attitude aussi sur Instagram, ça m'avait un peu saoulé. Alors cette palette-là, là-bas, elle coûte 65$. Donc quand elle est passée à 26$, je me suis dit... Peut-être qu'on va tester quand même. Donc, en même temps que ça, j'avais pris la poudre de baking, là, en teinte blondie. Mais bon, ça, vous l'avez déjà vu. Ce que je ne vous avais pas encore montré, c'est juste la palette. Comme palette aussi, j'ai acheté ça chez Colored Rain. Colored Rain, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et notamment, je vous avais fait un make-up avec une palette dans ce format-là aussi. C'était la palette Power, qui est en collaboration avec la série Power. Ce sont des palettes, il me semble, qui coûtent un petit peu cher. Enfin, cher, pas super cher non plus. Hein. C'est pas du high-end de luxe et tout. Mais par rapport à Juvia's ou Morphe, ce sont des fards. Ce sont des palettes et des fards un petit peu plus chers, mais qui, à mon avis, hein, en valent la peine. Quoi. Ils sont vraiment d'excellente qualité. Là aussi, je l'ai payé avec moins 30 ou moins 50%. J'ai craqué. Je vais vous faire rapidement quelques swatchs pour que vous voyez les teintes. Ouh, c'est intense, hein? Ouais. Comme je vous ai dit, Colored Rain, c'est de la bonne qualité. Alors, une autre palette, cette fois-ci de Natasha Denona, c'est la Love Palette, comme ça. Je crois que ça, c'était sorti pendant la période de la Saint-Valentin. Donc, c'est une palette dans les tons... C'est de l'autre côté. C'est une palette dans les tons roses, mais pas que. Hein. Il y a du rose, mais... aussi du violet, du rouge. Enfin, j'ai trouvé que les couleurs étaient vraiment très jolies. J'adore me maquiller avec du violet. Donc, évidemment, quand j'ai vu ces teintes-là, j'ai pas pu résister. Elle est vraiment très, très jolie. Et je n'avais pas encore testé la qualité des fards de Natasha Denona. Quand je vous ai fait la revue sur la marque Pat McGrath, vous avez été plusieurs à me dire, Janice, si tu aimes Pat McGrath, tu vas adorer Natasha Denona. Donc, j'espère que ce sont effectivement des fards de qualité équivalente, quoi. J'ai acheté une autre palette de Natasha. Cette fois-ci, c'est un tout petit format comme ça. C'est l'une de ses mini palettes. Et donc, ça, c'est la Mini Glam palette. Celle-ci, je l'ai utilisée une seule fois. Et comme vous voyez, ce sont des fards neutres. Donc, 5 fards neutres, 2 mats, 3 irisés. J'ai trouvé que les fards étaient hyper faciles à appliquer et surtout à blender. Ils ne sont pas trop secs, ni trop pigmentés. Ils sont parfaits. Vraiment, c'est un plaisir. Quand on les blende, ça s'estompe comme un petit nuage sur les yeux. Effectivement, les fards sont de bonne qualité. Après, je ne sais pas si dans les mini palettes comme ça, c'est exactement la même qualité que dans ces palettes moyennes-là. Mais enfin, moi, j'ai aimé. Mais bon, grosso modo, j'ai aimé. Je m'étais fait un make-up un peu glamour, un petit make-up de soirée, mais voilà, dans des tons assez neutres comme ça, et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, enfin, mon baptême Natasha Denona. Et puis, j'ai acheté également cette palette-là de Pat McGrath. Mais je ne pense pas que je vais la garder. Ça, je pense que je vais vous la donner. On va faire un petit giveaway. C'est la palette Mothership Subliminal. Donc, l'une des palettes en format moyen comme ça, c'est la Platinum Bronze. Donc, je ne vais pas l'ouvrir puisque je vais vous l'offrir. En fait, c'est un achat impulsif. Comme cette palette-là était soldée, elle était à moins 50%
moins 50% sur le site de Pat McGrath. Je me suis dit, quoi, une palette Pat McGrath à 30 €, ça ne se refuse pas. Donc, j'ai passé commande. Mais honnêtement, c'est pas une palette dont j'ai besoin parce qu'il y a pas mal de fards neutres. Il y a un seul fard mat à l'intérieur. Et moi, j'aime bien avoir une palette avec différents tons comme ça, de marron, caramel, chocolat, un peu plus foncé, un peu plus beige, etc. Dans cette palette, je vais vous mettre une petite photo quand même pour que vous voyez de quoi je parle. Mais voilà, dans cette palette-là, il y a un seul fard mat, plusieurs fards irisés et tous, ce sont des tons un petit peu doré, bronze, certains un peu plus froids, etc. C'est pas une palette dont j'aurai vraiment l'usage. Donc ça c'est cadeau, ça c'est pour vous. Je ne sais pas si je peux tout de suite organiser le giveaway ou bien attendre un petit peu, parce que ici chez moi, enfin dans mon quartier, la poste est ouverte seulement une fois dans la semaine. Et apparemment avec tout ce qui se passe, le courrier est un petit peu lent à arriver. Donc je ne sais pas, est-ce que j'organise tout de suite le concours ou un peu plus tard. En tout cas, si ça vous intéresse, cette palette Platinum Bronze, dites-moi, on va faire un petit concours vite fait sur YouTube, hein, pas Instagram. Instagram, j'y vais pas tellement, c'est plus une plateforme qui m'excite comme avant. Donc, on va faire un petit giveaway tout simple dans les commentaires YouTube pour cette palette-là de Pat McGrath. Chez Pat McGrath, toujours, en même temps que la palette, je m'étais acheté ce rouge à lèvres-là. C'est la teinte Ellison. Vous aviez été plusieurs à me conseiller ce rouge-là. J'ai un rouge de Pat McGrath, mais c'est plus un bordeaux, c'est la teinte Mac Menami. Mais vous m'avez dit, oui, le Ellison, c'est un joli rouge bien pétant, donc vas-y, teste-le. Donc voilà. Donc c'est un rouge qui a l'air bien franc comme ça. Ça va être idéal pour un maquillage de soirée, super glamour. Il ne tire ni vers l'orangé, ni vers le rosé. Ça a l'air d'être un rouge genre super classe, quoi. J'ai pris aussi l'highlighter. Ouais, ça s'appelle palette d'enlumineur Sublime Skin Highlighting Trio. Donc voilà, j'hésitais à prendre cette palette parce que ce qui m'intéressait, c'était surtout la teinte dorée là, les deux autres pas tellement, mais vous aviez été plusieurs à me dire oui, ça en vaut la peine, le doré, on peut le mélanger avec les autres teintes et ça fait très très joli. Donc ici, on a la teinte Iridescent Pink, la Fine Gold et ici Bronze Nectar. Moi, c'est surtout Bronze Nectar qui m'intéressait. Donc, je vais rapidement vous faire un petit swatch. J'ai de la place ici. Ouais. Je vais vous faire de meilleurs swatchs en gros plan tout à l'heure. Mais voici le Bronze Nectar. Je trouve qu'il se marie super bien sur ma carnation. Et effectivement, mélanger peut-être avec un petit peu du doré, ça peut le faire. Et bien entendu, l'iridescent rosé sur la paupière en coin interne, ça peut le faire aussi. Donc, voici. Pour la palette d'enlumineur de Pat, j'avais pris le pinceau qui allait avec. Voici à quoi il ressemble. C'est un pinceau avec, comment on dit ça, duofibre. Les poils ont deux longueurs et une densité différente. Et apparemment, c'est ce pinceau-là qui est recommandé pour appliquer l'highlighter. Ah, c'est pas fini chez Pat McGrath. J'avais pris évidemment leur nouveau concealer, le... Mon Dieu, comment il s'appelle ? Sublime Perfection Concealer. Et j'ai choisi la teinte. Je vais regarder. En tout cas, quand je l'ai reçu, M19. Quand j'ai reçu ça, j'ai trouvé que la teinte était un petit peu foncée. Parce que dans le fond de teint Pat McGrath, j'utilise la teinte 23. Je me suis dit, bon, si je descends de 3-4 teintes, ça ira. Mais en fait, ça, j'ai l'impression que ça va se fondre à mon teint, quoi, pour faire vraiment l'highlight. Ouais, effectivement, vous voyez la couleur là au swatch, je pense que ça va être parfait juste pour concealer, mais pour faire vraiment du highlight, pour donner un peu plus de lumière sous les yeux, j'aurais dû descendre de quelques teintes. Mais bon, vous savez, c'est en ligne que je commande, j'ai pas... Quand j'ai passé commande, il n'y avait pas encore des swatchs disponibles et tout. Donc, j'ai choisi au hasard comme ça pratiquement. Donc, on va tester. Il a l'air bien crémeux en tout cas. Et pas mal couvrant. Ouh, ça efface la petite cicatrice que j'ai sur la main. C'est prometteur. C'est très, très prometteur ça. J'ai également acheté le nouveau concealer de Dior. C'est le Forever Skin Correct. C'est donc un concealer qui promet une forte couvrance, une tenue 24 heures et en même temps, il promet d'être hydratant sous le dessous de l'œil. Alors celui-ci, je l'ai choisi en teinte 3W.
Vous voyez, c'est ce genre de teinte-là que j'aime utiliser pour mon dessous d'œil. Si je compare Rapidos avec celui de pâte, vous voyez, celui de pâte ressemble plus à ma carnation. Celui de Dior, comme ça, il est un peu plus clair, un peu plus jaune, et je pense que ça va mieux convenir pour faire du highlighting. Donc celui-ci non plus, je n'ai pas encore testé. On va tester ça ensemble. En tout cas, il contient 11 ml et je crois qu'il m'a coûté aux alentours de 30$, peut-être 28, 29, un truc comme ça. Je ne me souviens plus des prix, mais tout sera noté en barre d'infos. Ensuite, un autre concealer. Je sais pas, comme si j'avais pas assez de concealer. Voici le concealer de Hourglass qui s'appelle Airbrush Concealer. Ouais, Vanish Airbrush Concealer. Et ça, j'ai choisi la teinte Dune. Voici celui d'Hourglass, la teinte Dune. Ouais, ça c'est une belle teinte pour faire l'highlighting sur ma carnation. Voilà, des sous-tons jaunes, quelques tons plus clairs que ma peau. C'est comme ça que j'aime mes concealers. Ça aussi, on va tester ensemble, on va voir ce qu'il donne, on va voir s'il tient, s'il est couvrant, s'il est hydratant ou au contraire desséchant. Vanish Concealer de Hourglass. Je me souviens pourquoi j'avais acheté l'anti-cerne d'Hourglass, parce que j'avais d'abord passé commande pour leur fond de teint. Ça, c'est un très vieux produit, enfin très vieux. Ça fait plusieurs années, ça va faire 3-4 ans peut-être que ce fond de teint est sorti. C'est un fond de teint stick. Et ce qui m'a donné envie de l'acheter, c'est quand j'ai vu la vidéo favori de l'année de Jaclyn Hill, et elle avait encore recommander ce fond de teint. Pourtant, c'est pas une nouveauté, quoi, on va dire. Et le fait qu'elle ait encore mentionné ce fond de teint, je me suis dit, ok, je vais tester. Au début, ça m'avait fait peur, parce que c'est un fond de teint en bâton qui a quand même une réputation d'être assez glowy, lumineux. Et comme j'ai la peau mixte à grasse, j'étais pas très emballée. Mais maintenant, déjà, ma peau est beaucoup moins grasse qu'avant. Et même les fonds de teint lumineux, j'arrive à les faire fonctionner. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? On se lance. J'ai choisi deux teintes. Ça, c'est la teinte Golden Amber. Ça ressemble à ma carnation. Et j'ai pris aussi la Warm Almond. Alors ça, c'est les deux teintes de peau entre lesquelles j'oscille. J'arrivais pas à prendre vraiment une décision. Est-ce que je prends ma teinte actuelle ou ma teinte quand je suis bien 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 ensoleillée, bien 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 bronzée? Donc voilà, j'ai pris les deux et je me suis dit que ça pourra toujours me servir, celle-ci sur l'ensemble du visage, et puis ça, vu que c'est un stick, ce sera parfait pour faire un peu de contouring, ou plutôt pour bronzer un petit peu les côtés du visage. Golden Amber, voilà. Ouais, ça se fond carrément sur ma peau. Il est hyper crémeux. Il a pas l'air super couvrant par contre. Et ça brille, hein. Ouais, ça a l'air de briller pas mal. Juste à côté, je vous swatch la Warm Almond. Ici, là c'est beaucoup plus rouge. Ça c'est plus ma vraie couleur de peau quand j'ai pris du soleil, quand je sors de la plage, plus Fenty 390, c'est ça. Là, en ce moment, je dois être à Fenty 350 ou 360. Pour Hourglass, c'est pas fini. J'ai pris aussi la primer, la Veil Mineral Primer. J'adore cette primer. Je l'avais eu une fois en petit format, vous savez, les échantillons qu'on donne dans les commandes sur Sephora. Et j'avais adoré, mais cette primer-là coûte super cher. Ce que j'ai acheté là, c'est le format voyage. Ça leur a coûté peut-être 20$, mais la primer en format normal coûte 54$, un truc comme ça. Donc, un figal, et on prend le petit format quand même. Le premier échantillon que j'avais, il m'a duré quand même pas mal de temps, hein, parce que c'est une primer qui est très liquide. C'est une crème qui est assez liquide, mais qui se transforme presque en poudre sur le visage. Ça laisse un léger voile blanc, mais ce que j'adore, c'est que ça lisse le grain de peau. Ça donne vraiment au toucher, la peau est super lisse. Ça matifie en plus, la peau reste mate quand on applique le fond de teint par-dessus. C'est un joli rendu, donc je me suis dit, oh, ce serait quand même bien d'avoir cette primer-là dans ma collection. Et c'est une marque cruelty-free aussi. Donc je me suis dit, pourquoi pas avoir une petite routine teint comme ça, cruelty free. Donc j'ai acheté aussi cette primer là de Farsali. C'est la sérum. C'est un sérum équilibrant à base d'argile rose. Donc Farsali, c'est une marque que vous voyez tout le temps sur Instagram, dans les tutos Instagram.
Vous reconnaissez cette petite bouteille-là? Elle en a déjà sorti 4 ou 5 comme ça. Les huiles que les filles se font couler comme ça sur le visage, un petit peu dégueu. Certains servent à enluminer le teint, d'autres à lisser les pores, à donner un aspect glowy à la peau. Celui-ci, c'est pour matifier la zone T. Donc ça, apparemment, faut en mettre uniquement sur les zones grasses. Pour moi, ce sera le nez, le front et puis cette zone-ci. Et normalement, vu que ça contient de l'argile, ça devrait pomper un petit peu le sébum que la peau relâche et donc empêcher à la peau de devenir trop brillante pendant la journée. Donc ça aussi, super impatiente de tester ça. Ça coûte quand même 54 $, hein. Ça c'est pas donné. Mais bon, le packaging est joli et j'espère surtout que le produit est efficace. Et puis NARS a sorti des nouveautés, notamment de nouveaux fards à joues, de nouveaux blushs. Et j'ai donc choisi celui-ci. Il s'appelle Orgasm X ou Orgasme X. Ils avaient déjà la teinte Orgasme dont on avait énormément entendu parler, qui était hyper populaire. Quand j'ai commencé sur YouTube, tout le monde avait ce fard-là. C'était une sorte de rose gold, un petit rose léger avec des reflets dorés. Et les filles en étaient fans. Perso, je l'avais eu en petit format comme ça. Et sur ma carnation, ça ne ressortait pas tellement. Donc celui-ci a plus un sous-ton corail. L'autre, c'était vraiment un sous-ton rose. Là, on est plus sur une teinte saumon corail. C'est un peu plus chaud, un peu plus riche. Oh, il est super beau. Où est-ce que je vais swatcher ça? Ici. Il est lumineux. Il contient également des reflets dorés. Bon, j'ai déjà pas mal de blush aujourd'hui, donc je ne vais pas en rajouter. Juste magnifique. Donc la teinte Orgasm X. Alors j'ai maintenant deux setting sprays à vous présenter. Le premier, c'est le Set and Lock On Makeup. C'est un fixateur de maquillage, mais celui-ci, il promet vraiment de fixer et de sceller le maquillage, de le rendre pratiquement waterproof, bulletproof. Alors, ils prétendent que ça rend le fond de teint no transfert. C'est non collant, ce n'est pas gras et ça convient à tous les types de peau. Alors, évidemment, quand j'ai vu ça tout de suite, j'ai eu envie de tester. C'est un setting spray de la marque Smashbox, hein, je ne vous ai pas dit. Donc, c'est un vapeau comme ça, puis vite, qu'on utilise à la fin du maquillage. Et apparemment, le fond de teint ne transfère pas. Moi, ça me parle tout de suite. J'habite en Martinique, il fait super chaud. J'ai une peau grasse qui fait des brillances. Donc, s'il y a un truc qui me permet d'avoir un fond de teint à l'épreuve de tout, qui ne transfère pas ni sur le téléphone, ni sur les vêtements, absolument, j'ai envie de tester ça. Peut-être un crash test, un truc comme ça. Mais j'ai très 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 envie de mettre ça à l'épreuve. J'ai commandé aussi le setting spray de Fenty, puisqu'ils ont sorti quelques nouveautés, là vite fait, pas les toutes récentes nouveautés. Comme je vous ai dit, pendant le mois de mars, je n'ai rien acheté. J'ai vu, Fenty a sorti des nouveaux blush crème, des nouveaux bronzers crème, mais je me suis dit non, on ne craque pas. Surtout que j'avais déjà, comme je vous ai dit, passé commande récemment pour des nouveautés Fenty. Donc là, j'ai pris le Refreshing Spray, What It Do. Donc c'est un spray de finition pour le maquillage. Et normalement, ça rend la peau dewy, quoi. C'est pas un truc qui va. C'est pas un truc qui va matifier la peau, c'est pas un truc qui va fixer le fond de teint, c'est juste censé donner un aspect plus dewy. Voilà, tout comme le setting spray d'Anastasia ou le Fix Plus, le normal de MAC, ce ne sont pas des sprays. Ce ne sont pas des sprays qui fixent le make-up, mais c'est simplement pour rafraîchir la peau et pour retirer l'effet trop sec, trop mat, un peu trop cakey. Je sens à peine ça sur ma peau. Ça fait comme un petit nuage, hyper fine. Et je pense que. Ah ouais, ça ne se voit même pas sur le visage. Vous voyez ce que je vous disais avec la brume de ELF que j'avais testée la dernière fois? Ça laissait des gouttelettes sur le visage. On avait l'impression d'avoir des petits crachats. Celle-ci, pas du tout, hein. La brume est super fine sur le visage et l'odeur aussi est agréable. Donc ça, c'est le What It Do de Fenty. C'est bien précisé que ce n'est pas fait pour fixer, mais juste pour rafraîchir la peau. Toujours chez Fenty, j'avais acheté un crayon Kohl, tout simplement, puisqu'ils ont sorti. Je vois peut-être dû prendre une couleur autre que du noir, mais bon, comme j'ai toujours l'habitude de mettre du crayon Kohl noir dans mes yeux, ben j'ai pris la teinte Cosan Black, hein, tout simplement.
Donc c'est un crayon colle. Wouh! Super gras, super noir. Rien de particulier à vous dire là-dessus. Ça s'appelle Fly Pencil. Donc un crayon colle. Voilà, juste histoire de. J'ai pris également deux glosses dans les trois nouvelles teintes qu'ils ont sorties. Ils ont sorti Glass Slipper, c'est un gloss complètement transparent. Et puis ces deux-là qui sont des nouveautés, Hot Chocolate et Sweet Mouth. Enfin, ce ne sont pas, ce sont des nouveautés en grand format, on va dire. Parce que Hot Chocolate était dans le petit kit de Noël où il y avait 4 ou 5 mini gloss comme ça. Et le Sweet Mouth était aussi dans un kit, je crois, accompagné d'un highlighter. Mais là aussi, c'était en petit format. Donc là, ils l'ont sorti en grand format. Le Sweet Mouth, c'est ce joli gloss rose pâle. La couleur est très, très belle. C'est super joli. Donc ça a toujours l'odeur un petit peu cerise des glosses de Rihanna. Donc voilà pour le Sweet Mouth, ça m'a l'air nickel par-dessus un rouge à lèvres nude comme ça. Et puis le fameux Hot Chocolate, ça j'ai tellement entendu les filles en parler. C'est un gloss qui a un sous-ton plutôt marron, bronze. Les glosses de Rihanna ne sont pas super pigmentées, donc je ne pense pas que ça va donner du marron même sur les lèvres. Mais en tout cas, si vous avez les lèvres naturellement marron, ça ne risque pas de faire hachis, quoi. Des fois, peut-être qu'un gloss comme Sweet Mouth, un gloss rosé sur une lèvre très foncée, ça peut faire un peu bizarre. Mais celui-ci, Hot Chocolate, je pense que ce sera un gloss nude parfait pour les bouches foncées. Et je vous swatch rapidement Sweet Mouth à côté. Il est pratiquement transparent. On voit juste quelques nacres rosées juste à côté. Et puis toujours pour les lèvres, j'ai craqué pour ces deux crayons à lèvres de Charlotte Tilbury. Ce sont les Lip Cheat Resize Lip Liner. Ce sont des crayons donc pour dessiner les contours des lèvres. J'ai pris le Foxy Brown. C'est un joli marron. Je me suis dit que ce sera parfait pour faire le contour des lèvres quand je porte un nude comme ça. C'est un marron, il a l'air un petit peu plus clair quand même que le Cork de MAC. Et j'ai pris aussi le Pillow Talk Intense. Puisqu'elle a sorti récemment une gamme Pillow Talk Intense, on a le rouge à lèvres Pillow Talk, mais plus foncé, c'est censé être pour les peaux noires. Et j'ai vu des revues de filles à peau chocolat, c'était pas terrible. Mais bon, le crayon au moins m'avait l'air pas mal. Donc le crayon s'appelle Pillow Talk Intense. Donc c'est un marron, voilà, c'est un marron un peu plus foncé que le Foxy Brown. Donc ça, ce sera plus pour les nudes un peu plus foncés, un peu plus marronnés. Ou même pour les rouges à lèvres marron. Ouais, je pense que ça fera l'affaire. Donc voilà, les deux crayons de Charlotte. J'ai pris aussi un rouge à lèvres Charlotte Tilbury dans la gamme Kissing. Ce sont des rouges à lèvres qui ont un fini plutôt lumineux, fini satiné. Très 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 joli, du rose gold comme ça. Ça me rappelle une vieille gamme de rouges à lèvres Estée Lauder. C'était pareil, il y avait des rainures comme ça, un petit peu cannelées. Le packaging est vraiment joli. Et voilà à quoi ressemble la teinte. Donc un nude un peu caramel comme ça. Ça s'appelle Hepburn Honey. Voilà, ça avec le crayon Foxy Brown, je pense que ce sera juste nickel. Et puis le dernier produit lèvres que j'ai acheté, c'est, je sais pas, un petit coup de tête. Je vous avoue, un gros coup de tête même. J'ai vu que Gucci Beauty donc, a sorti une gamme de cosmétiques et notamment dans leur gamme de rouge à lèvres mat, il y avait pas mal de nudes un peu froids, un peu grèges et des nudes vraiment déclinés pour toutes les carnations, de la plus claire à la plus foncée. Et j'ai craqué donc sur cette teinte-là qui s'appelle Penny Beige. C'est le numéro 104. Le packaging là aussi est juste sublime. Il est super lourd, hein. Et voici, oh, et c'est marqué Gucci là, gravé sur le bâton. Vous voyez, ce genre de truc là, ça va m'empêcher d'utiliser le rouge à lèvres. Je ne voudrais pas que Gucci s'efface, donc je vais l'utiliser jusqu'à là, et puis je sais que je vais arrêter. Mais voilà la teinte, là aussi très jolie. Ça ressemble un peu à celui de Charlotte que je viens de vous montrer, mais celui-ci un peu plus foncé quand même. Ouais, quand on vous parle les deux, le Gucci est un peu plus foncé, un peu plus froid.
également. Pour ça, par contre, je risque de prendre un crayon un peu plus foncé, certainement le Philotoc Intense ou alors le Chestnut de MAC, etc. parce que j'ai envie de garder le côté un peu plus sombre, un peu plus froid avec ce rouge à lèvres là. Donc voilà, mon tout premier rouge à lèvres de chez Gucci Beauty. Ça aussi, ça coûte une petite fortune, mais voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Donc voilà les filles, c'est tout, je pense, pour ce haul make-up high-end. Je pense que ça, ce sera le dernier haul de ma vie. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez une requête particulière, vous voulez une revue, un tuto, peu importe le type de vidéo que vous voulez sur un produit particulier, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je suis partante pour vous faire des revues, des tutos, des Get Ready With Me, des full face first impressions, etc. Et puis aussi, pour celles qui ont envie de gagner la palette Platinum Bronze de Pat McGrath, laissez-moi un petit commentaire aussi pour me dire ça. Mais par contre, ne marquez pas, je participe, parce qu'il y a des squatteurs qui vont voir ça dans les commentaires et tout de suite, ils vont laisser, je participe, et j'ai pas envie d'attirer ce genre de personnes-là dans les giveaways. Les giveaways, c'est vraiment pour les vrais followers, ceux qui apprécient vraiment mon contenu. Donc, on ne dit rien, laissez-moi un petit commentaire normal, comme d'habitude, et puis je vais piocher au hasard parmi vos commentaires. Laissez-moi par contre un petit émoticône pour que je sache si vous avez envie de participer, mais je ne sais pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut mettre? Mettez-moi une bouteille de champagne. Voilà, comme émoticône. Juste pour savoir, vous me laissez un commentaire habituel. Vous ne faites pas référence à un concours, un giveaway, rien du tout. Vous me laissez un petit commentaire habituel et vous ajoutez simplement en émoticône une bouteille de champagne. Ce sera le petit code entre nous, comme ça je saurai que vous participez au concours et que vous avez envie de remporter la petite palette de Pat McGrath. Donc voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme d'habitude, à me laisser des petits pouces vers le haut, à partager la vidéo si ça vous dit. Voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé. J'espère que tout le monde se porte bien. Restez à la maison, restez positif. Je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo.